Théo. Voilà. Alors moi, quand j'étais en histoire de l'art, donc à l'université Rennes 2, j'avais aucune conscience de ces questions-là, jusqu'à ce que, en master recherche, donc critique et histoire de l'art, donc on nous demandait d'écrire un mémoire, et assez spontanément, je suis allée vers le prof que je préférais, qui m'a proposé un sujet sur... Alors je voulais travailler sur la question de l'autoportrait. Et lui, il m'a proposé un sujet sur la scène polonaise où il y avait 6 artistes, des hommes, mais j'en avais aucune conscience. Je savais pas du tout, je pouvais même pas le formuler encore comme ça. Et j'ai commencé à travailler sur ce sujet de recherche. Et assez vite, on en a discuté avec Elvan Zabounian, qui est quelqu'un de très important dans ma construction critique et intellectuelle, qui enseigne à Rennes 2. Et Elvan me dit, mais enfin, il n'y a que des hommes dans ce corpus d'artistes, il y a un problème. Et elle me dit, et si tu t'intéresses à la question de l'autoportrait, pourquoi tu ne regardes pas par exemple le travail de Frida Kahlo? Donc là, une immense prise de conscience pour moi, qui est Frida Kahlo? Je ne savais pas. Et donc, en travaillant sur le travail de Frida Kahlo, donc une artiste mexicaine, donc extra-occidentale, là, vraiment, la prise de conscience s'est élargie dans tous les sens. Je me suis dit, mais comment ça se fait que dans ma formation en histoire de l'art depuis le DEUG, donc maintenant ça s'appelle la licence 1, on m'a jamais parlé d'Afrique, on m'a jamais parlé d'Amérique latine, d'Asie, des Inuits. Enfin voilà, pourquoi finalement toutes les références étaient strictement occidentales. Donc j'ai commencé à m'intéresser à différentes scènes et notamment à l'art contemporain africain ou aux arts contemporains africains et à lire énormément de théories postcoloniales et donc féministes aussi puisque pour moi tout est lié. Donc je suis rentrée dans les gender studies, les cultural studies, les postcolonial studies grâce finalement à cette ouverture créée par Elvan Zabounian et grâce à Frida Kahlo. Le commissariat, c'est quelque chose d'assez évident et de cohérent qui est arrivé donc dans mon parcours, parce que pour moi c'est une forme de recherche, donc de continuer à chercher des artistes, etc. Et pour moi c'est aussi un engagement politique, puisque en tant que commissaire et critique féministe, j'applique la parité dans mes projets, donc c'est important qu'il y ait une visibilité égale pour les cisgenres, transgenres, dans le meilleur des cas, mais donc si on reste binaire entre les hommes et les femmes, et de prendre soin aussi de ne pas représenter que des artistes blancs, donc de veiller à ce qu'il y ait des artistes racisés dans les expositions. Donc ça, c'est très important pour moi, et en ce sens, je considère que je fais de l'activisme à travers les expositions, puisque pour moi, c'est un espace de liberté et un espace politique, l'exposition, qui se réfléchit collectivement, donc c'est pas parce que je suis la commissaire de l'exposition que tout se décide à travers moi et par moi, en fait tout se passe dans la discussion, c'est vraiment des projets collectifs, donc jusqu'ici j'ai fait que des expositions collectives avec des thématiques assez précises, les thématiques elles sont les mêmes depuis ce fameux master en histoire de l'art, c'est-à-dire c'est l'histoire, la mémoire et le genre. Donc Her Story, c'est d'abord un projet entre deux amis, donc Pascal Lièvre qui est artiste et donc moi. Et quand Aude Cartier, donc la directrice de la Maison des Arts de Malakoff, nous a donné une carte blanche à tous les deux pour imaginer un projet qui ne soit pas une exposition classique, on lui a proposé une exposition où il n'y aura pas d'œuvre et finalement où on donne la parole à ceux qui l'ont, à qui on ne donne pas forcément la parole. Donc je m'explique. Au rez-de-chaussée de l'exposition, on a présenté une trentaine de portraits qu'on a piqués sur YouTube, des portraits de militants, militantes, théoriciens, théoriciennes, actants, actantes, féministes, de partout sur la planète, qui parlent principalement anglais et espagnol, et avec cette idée que nous, Pascal et moi, on devait apporter une traduction à ces paroles qui nous parviennent difficilement en France, puisqu'en France, on a un problème avec les féminismes,
avec le mot féminisme. Enfin, voilà. Donc, on a un retard au niveau théorique. À l'étage de l'exposition, il y avait donc des livres qui étaient présentés au mur. Donc, c'est des livres qu'on a demandé à des maisons d'édition. On avait une bibliographie assez précise qu'on voulait qu'on nous offre. Donc, c'est sur la base de dons. Donc, on a récolté à peu près 150 ouvrages qu'à la fin de l'exposition, on a offert à la médiathèque de Malakoff. Donc, dans l'idée que tout revient à l'espace public. Tout comme les vidéos qui sont au rez-de-chaussée de l'exposition, on a créé une chaîne YouTube où finalement l'exposition, elle était disponible à tous et à toutes sans qu'il y ait besoin d'acheter un billet de train ou je ne sais pas quoi pour venir à Malakoff. Donc, la question classe aussi est quelque chose qui est très important pour nous par le biais de l'accessibilité. Et donc, tous les samedis, on invitait quatre artistes à venir répondre à nos questions sur l'intersectionnalité, sur le féminisme, sur le manque de visibilité des femmes artistes. Donc, on avait envie, avec Pascal Lièvre, d'entendre les artistes sur les questions féministes de genre et d'intersectionnalité, juste de savoir est-ce qu'ils savent ce que c'est, est-ce qu'elles savent ce que c'est. Et donc, il y a des surprises, il y a des artistes qui sont très au point sur ces questions-là et d'autres pas du tout. Il y en a qui sont conscients de leurs privilèges et d'autres pas du tout. Et donc voilà, pour nous, c'était intéressant d'écouter les artistes sur ces questions-là et de fabriquer des archives à partir de leurs portraits. Donc il y a un énorme retard par rapport à d'autres pays. Donc je ne suis pas convaincue que les historiens ou les historiennes de l'art ou les critiques et les critiques d'art et les commissaires d'exposition prennent en compte la question de l'intersectionnalité. Sinon, on aurait plus d'expositions avec une pluralité de voix à travers les expositions, on aurait moins d'expositions monographiques d'hommes et uniquement d'hommes blancs, occidentaux. Donc non, on a encore un énorme travail à effectuer sur ces questions-là. Et depuis, elle, au Centre Pompidou, combien d'expositions monographiques de femmes il y a eu au Centre Pompidou? Il y a eu Mona Hatoum, et qui? Il y a eu Nalini Malani il y a quelques semaines. Et qui en fait? Il y a toujours les hommes qui règnent dans ce musée. Mais on ne va pas stigmatiser le Centre Pompidou, c'est valable pour tous les musées, etc. À Paris, parce que je trouve que dans les régions, les musées font plus le job sur ces questions-là, et que les femmes sont mieux représentées en région. Donc finalement, dans le lieu qui incarne le pouvoir, ben, c'est les artistes qui incarnent les privilèges et le pouvoir qui sont les mieux représentés. Oui, j'ai fait plusieurs expositions avec uniquement des femmes. La première était Peindre dit-elle, au musée départemental d'art contemporain de Rochechouart avec Annabelle Ténez. Et en fait, avec Annabelle Ténez, on a commencé à réfléchir à un projet d'expo sur la peinture, aujourd'hui en France. On s'est rendu compte que ce qu'on regardait le plus, c'était les boulots des femmes artistes. On s'est pris des critiques, mais vraiment incroyables sur ce projet, d'artistes hommes qui ne comprenaient pas pourquoi on présentait uniquement des femmes artistes. Mais alors que eux, quand ils participent à des expositions où il y a uniquement des hommes, ben personne ne vient leur dire quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, c'est une manière d'engager le débat, d'en parler et d'avoir un point de vue très critique sur cette question-là. Je le dis à chaque fois, ce type d'exposition vraiment de ghettoisation, ça ne devrait absolument pas exister. Mais malheureusement, ça fait partie des moyens d'action de cette forme d'activisme dans lequel je m'inscris. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'exposition avec uniquement des femmes, comment on fait pour montrer qu'il y a un énorme problème, puisque les femmes sont quasiment invisibles? La question de la qualité des œuvres qui sont présentées, on me la pose tout le temps. Surtout quand je dis que j'applique la parité dans mes projets, on me dit: Ah, alors ça veut dire que tu présentes les boulots de femmes qui sont finalement moins bien que ceux des hommes. Et je dis: Mais pourquoi ça ne serait pas l'inverse en fait? Et à cette question-là, moi je réponds par la recherche en fait. C'est-à-dire que quand on a un sujet et qu'on fait une recherche qui va plus loin que le bout de son propre nez ou que ce qu'on peut bien nous présenter dans les autres expositions ou dans les institutions, bah, finalement on peut découvrir des centaines et des centaines d'artistes qui travaillent très bien sur tel ou tel sujet, qui ont des boulots très intéressants. Donc il y a aussi un travail de fond avec des visites d'ateliers, de rencontres, etc. Et que quand on élargit le spectre, ben finalement, après, on n'a plus que le choix dans des boulots de qualité. Et donc, la question est réglée.
Ben oui, la question de l'activisme me paraît primordiale parce que si on ne fait rien et si on n'a conscience de rien, ben finalement on ne fait que répéter les mêmes schémas, les mêmes systèmes et les mêmes modèles. Donc pour moi, l'activisme, c'est ce qui s'est passé par exemple dans l'exposition au Transpalette à Bourges sur la question des renards. Les renards se battent contre les lions. Donc le lion incarne le pouvoir et le renard finalement va ruser. Et va trouver des stratégies de contournement et va trouver des alternatives à toutes ces questions d'oppression et de pouvoir. Donc pour moi, l'activisme, c'est renarder en fait, c'est ruser et c'est finalement comment on peut ébranler ce système qui nous oppresse tous et toutes en fait.